Salut les amis, allez, on est arrivé sur notre lieu de vacances, Ancelles. Et pour cette première sortie, on a vu un petit tour ambitieux. On va aller sur les balcons de la Rouanne, histoire de vous faire partager les jolis points de vue auxquels on peut accéder là-bas. Mais je sais pas si je vais y arriver. Allez, on va voir ça tout de suite en vidéo. Allez, à peine arrivé. On est parti pour le premier ride des vacances. Alors un petit tour ambitieux. Je vais essayer de partir directement tout là-haut sur les balcons de la Rouanne. Et j'espère arriver tout en haut histoire de vous faire partager directement sur cette première sortie des points de vue magnifiques. Bon, ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'il n'y a pas de juste milieu. On attaque direct par une très grande côte qui va durer pas mal de temps, donc je vais essayer de vous faire partager un petit peu tout ça par bref moment, et on se retrouve surtout en haut. Allez, on s'en rapproche tranquillement mais sûrement. Fait chaud, c'est dur. Allez, une petite pause méritée, on va manger une petite barre de céréales et nous c'est là qu'on va. Le plus dur de la sortie, c'est maintenant. Petit single de marche qu'on va essayer de se faire le plus possible sur le vélo. On a de la chance déjà, c'est à l'ombre. Allez, on est loin d'être encore en haut, mais pour vous mettre en appétit. Allez, on a fini là, la petite partie single. L'objectif est d'aller encore tout là-haut en face. Voilà. Allez, on est toujours là. On a fini les petits singles. C'est parti sur une plus large piste. On est toujours en direction des balcons La Rouanne. Et on est au col des Neiss à 1860 mètres. Allez, on s'accroche, on est presque en haut. Bon bah, j'avais réussi à tout faire sur le vélo jusqu'à là. Ah, celle-là, elle a eu raison de moi. Bon, c'est dur, mais ça monte toujours sur le vélo. À part les 300 cm où j'ai poussé. Et demain, je sens que je vais avoir mal au cuisseau. Allez, on est au col de la Chabanne, 2030 mètres d'altitude. Pour arriver jusqu'au balcon de la Rouanne, il nous reste 0,4 km. Et je vous fais déjà encore un petit panorama. Bon, ça se mérite quand même. Hein. Je sais pas si vous allez voir, il y a deux marmottes. Juste avant un petit peu les moutons. Et sinon on est arrivé en haut. Voilà, ce que je voulais faire a été fait. On est sur les balcons de la Rouanne. Le col du Piolite par ici. Et maintenant on va se prendre un petit goûter et on va redescendre sur Ancelles. Bon, mais c'était pas fini. Ça monte encore un petit peu pour rejoindre l'autre côté, la descente. On a un peu plus de 2100 mètres de dénivelé, d'altitude, pardon. Ça pique un peu. Allez, encore tout ça à monter. Allez, encore quelques coups de pédale. Et je crois que c'est le dernier. Après, ça va faire normalement que redescendre. Ça part de là.
pierre qui roule là. Je fais gaffe parce que c'est vachement glissant. Bonjour. Par là. Ah bah, vous avez un peu. Ah bah, je me suis trompé. Pas descendu par là où je devais. Mais ça a fait une belle sortie quand même. Oh, il n'y a plus de frein arrière. Bon ben sortie finie, je pensais franchement pas la faire entièrement. Pour une première, m'avait semblé quand même que c'était un parcours un petit peu ambitieux, mais finalement, tranquillou bilou, je suis pas allé plus fort que ce que je pouvais et ça s'est monté tranquillou. Putain, dans la descente, j'ai loupé le single que je voulais prendre. Bon, par contre, j'ai tellement freiné qu'arrivé à la fin, là, j'avais carrément plus de frein. Ils ont tellement chauffé qu'il n'y avait plus rien sur la poignée arrière. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Comme quoi, c'est le seul périphérique que j'utilise à 100%, c'est les freins sur le VTT. Allez, ben voilà, j'espère que ce premier parcours, en tout cas, vous aura montré de beaux paysages. C'était le but. Et puis, j'espère vous en faire voir d'autres tout au travers de mes vacances et d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde!